ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Bonjour à tous et à toutes, Bezat Hashem. On continue notre étude sur Eretz Israël, Mar Ephraim. Et Shlomar, Mashi Kalal Yaakov Avinu Mitoch HaNeder VeNatan Li Lechem Lechol. On voit que Yaakov Avinu, il a fait un neder, il a dit Hashem, si tu me donnes du pain à manger et des vêtements, on voit qu'il a fait un neder à Hashem. C'est-à-dire qu'il s'est engagé avec Hachem. Il a fait un vœu. Hagam Shaita be mitzvah l'itchi mitzvah l'ev mezono, nikraba ma'emna. Bien que c'est une mitzvah de prier pour sa nourriture, comme on dit que quelqu'un qui prie pour sa nourriture, ça s'appelle la'emuna. Kolze l'indorneder kaché l'echawa. Mais de faire un vœu pour ça, ça a l'air un petit peu difficile. Parce qu'on sait que Kadosh Baruch Hu nourrit tout le monde. Mais on peut expliquer par le fait que maintenant Yaakov Avinu, il a quitté Eretz Israël pour aller en Chutz Laaretz. Et comme on sait que le Ikar du Shefa, c'est-à-dire toute l'abondance du monde, elle vient d'Eretz Israël. On a Israël, c'est que de l'Ashgacha, c'est-à-dire que c'est que de la providence. Sur ça, il a fait un neder que sa nourriture, elle vienne que de l'Ashgacha, c'est-à-dire qu'il voulait que même sa parmassa, elle vienne comme en Eretz Israël, que par la main d'Hachem directement. Comme au Beprinat Eretz Israël, Hacham Hurak Ashgacha. Qu'en Eretz Israël, c'est que de l'Ashgacha, c'est-à-dire que c'est directement donné par Hachem. Al-Kenemar Eretz Israël, Tamidena Hachem et les Kochaba. Pour ça qu'il est dit sur Eretz Israël que les yeux d'Hachem, ils sont toujours sur Eretz Israël. Tu me vois, Bilkuté Kama Siman Ralad, comme c'est écrit dans le Likuté Moran, dans la Torah 234. La Zeketi Venatan Li Lechem, Li Daika. C'est pour ça qu'il a dit que si Hachem Natan Li, qu'il me donne du pain, qu'il me donne des vêtements, pourquoi qu'il me donne à moi directement, précisément, ça veut dire Bajgacha Miuchedet, c'est-à-dire avec de la providence qui soit spécifique à moi. Et toi, Baruch Hashem, que tu as eu le mérite de pouvoir vivre en Eretz Israël. C'est sûr qu'il ne vous manquera jamais de la nourriture pour l'éternité parmi tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire le principe, c'est que en Chutz Laaretz, l'abondance, elle passe par des intermédiaires. Elle passe par des anges, par des astres. Il y a tout un système de distribution qui est lié aux forces naturelles. C'est-à-dire, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, alors il a mis deux systèmes. Il y a un système qui fonctionne par les forces naturelles. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du tout de ce qu'est l'individu. On fait une distribution générale qui sont faites par des intermédiaires et qui amènent la nourriture, tout ce qu'il faut, à toutes les créatures du monde. Maintenant, en Eretz Israël, c'est différent. Eretz Israël, ça fonctionne avec l'Ashgacha Pratit, c'est-à-dire qu'en Eretz Israël, on fonctionne avec la Providence. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à Hachem directement. C'est-à-dire que c'est pas des intermédiaires qui nous donnent notre nourriture, nos vêtements, notre parnassa, c'est Hachem directement. Donc comme que Yaakov Avinu, maintenant, il quitte Eretz Israël pour aller chez Lavan, etc., alors lui, il voulait pas maintenant rentrer dans ce système-là de distribution par les astres et par tous les systèmes des lois naturelles. Il voulait rester sous le système de l'Ashgacha Pratit, c'est-à-dire de la Providence. Donc il a fait un vœu, il a dit voilà, moi je m'engage si tu me donnes à moi. C'est-à-dire il voulait rester dans ce rapport
direct avec Hachem. Je ne veux pas que ça passe par des intermédiaires. יש לפרש מאמר חז"ל שכל הדר בארץ ישראל זומה כמי שיש לו אלוקה. Non, les Chachamim me disent que tout celui qui habite en Eretz Israël, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Et tout celui qui habite en Chutz Laaretz, alors il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce que veut dire qu'il ressemble, Chas v'Shalom ? Ça veut dire que ça ressemble. Pourquoi on dit qu'il ressemble ? Alors ici, Rav Ephraim, il explique que maintenant, Rabbeinu, il parle dans le Likutei Moharan, dans la Torah 7, dans le deuxième prélèque, parle du principe des gens d'en haut et des gens d'en bas. C'est-à-dire les gens qui sont à un grand niveau. On doit leur montrer qu'ils n'ont rien atteint encore, de manière à les renouveler et qu'ils n'aient pas de l'orgueil. Et les gens qui sont en bas, on doit leur montrer qu'ils ont beaucoup trouvé et que tout ce qu'ils font c'est bien, etc., pour les encourager, pour pas qu'ils se découragent. Alors, il dit que ceux qui habitent en Eretz Israël, c'est des gens d'en haut. Celui qui habite en Eretz Israël, comme on dit, il monte en Eretz Israël, Aliya, il monte. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont en haut. Alors, les gens d'en haut, il faut leur montrer comme s'ils n'avaient rien encore atteint. On dit, mais quoi, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait encore, tu n'as même pas commencé. Et celui qui est en bas, qui est en dehors d'Eretz Israël, lui, au contraire, il faut l'encourager. Alors c'est ce qu'il dit. Vata yeshlomar de kach haperush begmara. Shikol adam beretz Israel domei sheishlo eloka kisham huprina dremala ki avira deretz Israel machkim. Alors maintenant, comme Eretz Israël, c'est quelque chose qui est élevé, donc on doit montrer aux gens qu'ils n'ont pas encore commencé. On dit mais qu'est-ce que tu n'as pas commencé? Et celui qui est en dehors d'Eretz Israël, on doit lui montrer comme quoi il est arrivé et que Hachem il est avec lui. Donc c'est on lui montre quelque chose qui n'est pas la chose où il se trouve. Parce que quand il se trouve en Eretz Israël, il se trouve en haut. Mais on lui montre que comme s'il n'avait pas encore commencé. C'est pour ça qu'on dit domé, c'est-à-dire qu'il ressemble à quelqu'un qui est un dieu. On dit, mais ça ressemble, tu n'as pas encore trouvé. Et celui qui est en Chutz Laaretz, il ressemble, il croit, il lui semble qu'il n'a rien trouvé. On lui dit, non, Hachem, il est avec toi, même en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, tu as trouvé aussi. Ou Béhémet, Tovat Eretz Israël, ou Begashmet Vorchniut. Mais Béhémet, le bien d'Eretz Israël, c'est matériellement et spirituellement. Kinikret Eretz Remda Tova Uchava. Parce que ça s'appelle une terre d'abondance, une terre de bien, même matériellement, comme on l'a vu que Yohanavi dit que c'est Remda Tova Mazé, c'est-à-dire que c'est les délices de ce monde, même matériellement. Et Umashi est allé à coucher. Et s'il y a des questions maintenant sur Eretz Israël, même sur Hachem, il y a des questions. C'est pareil que sur Eretz Israël. Ils disent, ouais, mais si Eretz Israël, c'est tellement bien, pourquoi il y a des attentats, pourquoi il y a des trucs? Il y a des questions. Mais des questions, il y en a même sur Hachem. C'est pas parce qu'Eretz Israël, des questions, toutes les choses qui sont élevées, il y a des questions dessus. Comme Rabbi Nachman, il dit, heureusement que les gens, ils ont des questions sur moi. Parce qu'ils n'avaient pas des questions sur moi, ça veut dire qu'ils m'auraient entièrement compris. Et ça, c'est sûr qu'ils ne m'ont pas compris. Donc c'est normal qu'ils aient des questions. Mais ce qui est sûr, c'est que tout est avec justice, et avec jugement, et avec vérité. Il n'y a aucune chose qui n'est pas vraie. Donc les questions qu'on a, c'est uniquement une question d'éloignement. C'est pour ça qu'on peut avoir certaines questions. Ashrechem shezachitem liot beret Israël. Heureux êtes-vous que vous avez le mérite d'être en Eretz Israël. Ki behemet tov olam hazeh hu akol hevel. Parce que vraiment, le bienfait de ce monde matériel, c'est tout de la fumée, ça vaut rien. Rak tzrichim atov olam hazeh kedei letzagen mitzvot ulovdo yitbarach betorah avot simcha. Pourquoi on a besoin de choses matérielles? Pour pouvoir servir Hachem dans la largeur d'esprit, dans la joie. Pour pas être stressé, pour pas être dans la katnout, pour pas être dans la petitesse. C'est pour ça qu'on a besoin. Le valier de olam hazeh olam haba tachitan yitzri. Et maintenant, si dans ce monde-là, on est bien, on sert Hachem dans la joie, dans la largeur d'esprit. Alors ça nous amène au monde futur, Bezrat Hachem. Vaikar izot beretz Israël. Et en Eretz Israël, c'est ça le principal. C'est-à-dire que tout le bien matériel qu'en Eretz Israël, il est entièrement lié à une évolution spirituelle.
שבטוב העולם הזה של ארץ ישראל יכולים יותר לבוא לתכלית טוב של העולם הבא. C'est-à-dire que tout ce qui est matériel en Eretz Israël, c'est beaucoup plus propice à nous mettre directement dans la conscience du monde futur. C'est-à-dire que c'est une matière qui est beaucoup plus transparente que la matière qui est en dehors d'Eretz Israël. C'est une matière qui pousse à chercher le fond des choses. Ce n'est pas une matière qui est que dans la consommation. C'est une matière qui est ouverte sur une recherche, sur un approfondissement. כאשר מצינו בגמרא כל הולך 400 בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן עולם הבא. Comme on voit que la Gemara dit que tout celui qui habite en Eretz Israël, non, tout celui qui fait 4 pas en Eretz Israël, alors il est sûr qu'il a part au monde futur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché, il a fait 4 pas, c'est tout. Qu'est-ce que c'est pas, il a, on ne dit pas à celui qui a étudié la Torah ou qui a fait des mitzvot, il a marché 4 pas en Eretz Israël. Sauf qu'est-ce qu'il a fait de tellement extraordinaire? Non, pour te dire que même la moindre chose matérielle que tu fais en Eretz Israël, elle est branchée directement sur le monde futur. Donc il n'y a pas une matière qui soit de la matière brute et entièrement matérielle. C'est-à-dire toute matière qu'on a en Eretz Israël, elle est connectée au monde supérieur. Pour ça, tu diras à ta femme, chez l'autre dog beouma, qu'elle ne se fasse aucun souci. Que c'est sûr qu'il ne vous manquera pas, même pas de la du matériel en Eretz Israël. C'est sûr que du spirituel vous allez avoir, parce que c'est une terre de spirituel, mais même le matériel ne vous manquera pas en Eretz Israël. Vous aurez la bénédiction, vous aurez tout, Bezrat Hashem. Donc voilà, Rav Ephraim renforce pour ça, tous les gens qui croient que c'est difficile le matériel en Israël. C'est pas vrai, c'est l'endroit où c'est le plus facile dans le monde, le matériel, parce que c'est un matériel qui est ouvert sur les mondes supérieurs. C'est pas une matière qui est fermée, comme en dehors d'Eretz Israël. Alors Bezrat Hashem, voilà. Que Hachem nous donne le sroute à tous de recevoir directement notre abondance de la main d'Hachem, qu'on n'ait pas des intermédiaires, qu'on ne soit pas dans un circuit de distribution, il y a des intermédiaires. Tout ce qu'on reçoit Bezrat Hashem de la main d'Hachem directement. Alors voilà, d'ici Bezrat Hashem, la tombe de Rabbi Nachman, je me fais votre envoyé pour prier pour vous tous, tous ceux qui suivent les cours Bezrat Hashem. Que vous ayez tout ce qu'il faut dans la joie, dans la facilité, dans la tranquillité. Soyez paisibles, heureux, rassasiés, Bezrat Hashem, d'avoir connu Hashem, d'avoir connu le tzaddik. Batzlacha, une bonne journée.